Si, je suis là, je suis là. Non, je suis pas parti chercher du lait. Juste le petit goûter. Il y a plus de glace. Il y a plus de glace, oui. Un grand classique. Mais non, mais non. Je l'avais dit, je suis là, je vais pas l'emmener. Hey. Si on allait à la cabane pour se défoncer. Où est-ce qu'elle est? Pourquoi je la retrouve pas? La cabane. Je crois qu'il faut que je boive. Quelque part au bout du monde se cache la légendaire forteresse de la coulitude, et tous ceux qui sont partis à sa recherche ont péri. Tous sauf un jeune aventurier intrépide. Ash, c'est le... Ash Walema, connu pour le son fils courage, de Joy. Son sens de l'honneur et... Non. Ah bon? Ah! Il s'est carrément planté. Là, c'est revenu, mais... Kaku? Là, il a eu un crash. Kaku? On est là? Ça a planté? Remboursé. Petit contrôleur. Allô le monde. C'est revenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, ça a carrément coupé du coup toute la session. T'as voulu fuir. Non, je sais pas, c'est je sais pas, c'est moi je suis juste cherché mon goûter. Hein. C'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Twitch s'est vomi dessus? Apparemment, Twitch s'est vomi dessus. Hein. Là, du coup, on est en train de jouer depuis. Depuis 3 minutes 39. Petit plantage OBS peut-être. Mais bon, on est bien là, je rassure. On est là, il nous reste une... Un peu moins d'une petite heure. Sa capacité à réagir en une fraction de seconde. Et voici l'histoire de sa quête épique. Ta-la-la. Ah, 2 mois plus tôt. Ok. Donc Joyce est encore vivante. Regarde, Shima. J'ai dessiné une BD sur la forteresse. Tu sais, celle que Ryan a vue l'autre jour, dans la forêt. Il n'y a pas de forteresse dans l'Arizona. C'est des histoires. Si, je te promets. Il se promenait avec son père. Près de la crête, il y a un rocher en forme de dent de requin. C'est là qu'ils l'ont vu. Mm-hmm. Je me disais, ce serait trop bien qu'on essaie de la trouver, nous aussi. On pourrait dormir à la belle étoile et faire plein de trucs super. Par exemple... Oui, bon. Regarder les étoiles, faire un feu de camp. On va dire regarder les étoiles. On pourrait passer la nuit dehors et regarder les étoiles filantes. Rien que toi et moi.
Et puis, si tu veux prendre l'air, va donc faire un tour en vélo, tiens. T'en profiteras pour aller chercher le courrier, tant qu'à faire. Et ce week-end, c'est pas possible, parce que j'ai... Parce que t'es occupée, comme d'habitude. Je suis sûre que mon père aurait dit... Ton père s'est révélé très différent de ce que je pensais. D'accord. Comme tu voudras. Je m'en fiche. Allô ? Allô, Gigatoon ? À l'huile ? Ouais, c'est bon. Ça a encore coupé, là ? Oui, non, il y a eu un petit... Il y a eu un petit fail entre OBS et Twitch. Il y a 6 minutes 21 secondes. Non, je répondais à out. Ah oui, ok. Non, non, on est là, on est là. Eh, hey, petit gars, sois prudent sur la route. Il va bientôt faire nuit et t'es pas éclairé. Va chercher le courrier, H. Et puis zut. Il est à l'ouest Gigatoon. Oh oh, il a bien fallu que je m'intègre en Bretagne. Bon, pas mal, bien. Pas mal, pas mal. Une montagne, redressez l'avion, vite! Quel as du pilotage! Ma quête continue, mais à pied cette fois. Zone de chasse active, ok. Bah, au dîner ce soir, ça sera pas du lapin. Merci pour le lurk, Gigatoon. Bon lurk. Je te laisse pas attraper. Voilà, on est passé sur un tout autre personnage, donc, pour l'instant. Je vois pas trop où ça mène. Pourquoi on voit le fils de Joy en particulier. Joyce. Fils. Je sais même pas si c'est son fils. Quelque chose à manger. Viens voir, Ash. Gardez pour plus tard, manger. C'est toi qui t'es choisi la boue. Y'a quelqu'un? C'est quoi ça? Oh non, non, non. Et oh. Parler calmement, lui faire peur, courir. On va réagir comme n'importe quel autre gamin ferait. On va courir. Ugh!
de la crête et d'un rocher en forme de dent de requin. J'y crois pas! Oh putain, c'est la cabane des Holt. Faut que je trouve à boire et que je me réchauffe. Ok, alors. Oh, ça va être du bois. C'est du bois pour la chaudière, ça, mais... Et une grosse araignée. Oh, pourvu qu'il y ait une armoire à pharmacie. C'est génial. Allez, vite. Alors... Sirop pour la toux, compresse abdominale, antidouleur, pansement. Oh, mais ça désinfecte le sirop pour la toux, hein. Et prévenez les radios locales. Je veux que tout le pays entende parler des Holt. C'est compris ? Bien reçu. Vous avez eu de la chance. Un peu plus haut, et l'artère était touchée. Zoé va bien, c'est l'essentiel. Dites, les Holt, vous allez les coffrer ? Une chance sur deux, je dirais. Les prochaines 24 heures vont être cruciales. On va voir s'ils sont si malins que ça. Vince a survécu au Desert Dream. Un autre trophée. Ok. On doit fouiller. Portrait de famille, photo d'enfance, fenêtre, sac à dos. Et quoi dans le sac à dos? C'est pas mon sac à dos, ça. Mieux vaut pas sortir. Bah s'il faut pas sortir, il faut faire quoi? Photo d'enfance, portrait de famille. Ouais, vas-y. Ça m'aide pas. Alors. Monsieur Dorland. Vanessa a fumé au lycée. Ça se reproduit à être expulsé. Rappelez-lui que tous les t-shirts
Surtout ceux avec du langage explicite dessus sont interdits. Oui, oui, bon, c'est un doyen qui fait du vent. Ok. C'est la maison du bûcheron. C'était à ma mère, tout ça. La fais pas tomber. T'es qui, toi ? C'est toi qui m'as trouvé ? T'avais l'air mal en point. T'arrêtais pas de marmonner des trucs à propos d'une cabane. Tu t'es perdu ? Non. Je me suis fait renverser par une voiture. Où ça ? Dans la forêt ? Sur la grande route. J'ai dû me cogner la tête et perdre mon chemin. Oh ! Eh ben... Je devrais peut-être appeler les secours. Je t'emmènerai bien à l'hôpital, mais j'ai pas le droit de prendre la voiture. Non. J'ai pas les moyens, pas besoin, j'aime pas les docteurs. C'est pas si grave. Enfin, pas au point d'aller à l'hôpital. T'en sais rien. Tu devrais consulter. Non, ça va. Promis. Eh ben, ravi de voir que t'es vivant, en tout cas. J'ai eu un doute à un moment. Et oh. Les flics. Ça va ? T'étais au lycée de Touroc, non ? Ah, ouais, le lycée. J'y suis allé pendant un temps. Ah, c'est bien ce que je pensais. Tu mangeais souvent tout seul sous l'arbre à côté du parking, je me trompe ? Le genévrier. Ouais, c'était moi. Rappelle-moi ton nom déjà. Dean. Enchantée. Moi, c'est Vanessa. Dean, est-ce que je peux me reposer un moment ? J'ai mal à la tête et... Je dérangerai pas, c'est promis. Ça me gêne pas que tu restes. Mais il faut vraiment que tu sois partie d'ici 8 heures, sinon mon père va nous tuer. Et 8 heures, ça va, c'est large. Sache que j'ai déjà tapé un garçon tellement fort là où je pense qu'il en a avalé sa langue. Bah, c'est bon à savoir. Tiens, c'est vieux, mais tout est propre. Merci. Alors, pourquoi t'as lâché le lycée ? Toi aussi, t'en avais marre d'être tout le temps collé par Madame Campbell ? Non, j'ai fini par décrocher. Ben, on est deux, alors. Enfin, moi, on m'a désinscrite pour que j'aille dans une école catho bidon où on me dit comment m'habiller, quoi penser... Bref. C'est quoi ton excuse à toi ? Je vais pas faire pour les études, je préfère le grand air, après 16 ans c'est plus obligatoire. C'est comme ça aux États-Unis ? Après 16 ans c'est plus obligatoire ? J'avais à peine la moyenne. C'est mieux que zéro, non ? Zéro, c'est quand tu fous rien. La moyenne, ça veut dire que t'as bossé et que tu t'es planté. Ah, c'est mieux oh, c'est comme trop ça. Grand. Vivi ! Il est où mon sandwich ? J'arrive ! Vivi, Vivi, où m'entends-nous ? C'est qui ? Oh, c'est ma mamie. T'as faim ? Tu vas bien te tenir aujourd'hui, hein, mamie ? Attends deux secondes, j'ai oublié mes clopes. T'as arrêté Attends il y a deux années. Attends deux secondes, j'ai oublié mes clopes. Nous avons de nouvelles informations sur l'affaire que la police surnomme désormais le massacre du Desordre Dream. Un des tueurs a trouvé la mort sur place, mais on nous confirme que trois suspects sont encore en fuite pour l'heure. Jambon fromage, ça te va ? Ah, mais pas les tranches toutes faites, ça a pas de goût. Mais pas les tranches toutes faites, ça a pas de goût ! L'assaillant abattu a été identifié, Dale Holt, résident de Touroc, déjà condamné pour agression. On va laisser la radio tourner parce que... d'ailleurs appartenir à la même famille. On a besoin d'infos. Mamie, on a un invité. Bonjour. Attends, je la connais cette voix. Attends, je la connais cette voix. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Est-ce que c'est vraiment toi, Mati ? Mati. Oui, c'est moi. Non, c'est pas moi.
Je pense que ça va plaire à Vanessa. Mamie, tu m'as manqué. Mon petit-fils. Mon petit-fils. Mais où est-ce que t'étais pendant tout ce temps? Oh, en fait... Il était en échange linguistique dans une famille d'accueil. Attends, laisse-moi t'aider. Alors, Matt, qu'est-ce que tu faisais de beau toute la journée quand t'étais avec ta famille d'accueil? Je suis curieuse, vu que t'allais pas à l'école. Chasser et pêcher. J'ai donné des coups de main. J'avais un petit boulot. Chasser et pêche? J'ai pas mal été dehors, surtout. J'ai randonné dans les collines. J'ai fait de la pêche en rivière. Je suis allé chasser aussi, un peu. T'as tué des animaux? Tu sais d'où il vient, ton jambon. C'est du pastrami. Mais ok, t'as gagné. Tu sais d'où il vient, ton jambon. Ton père va te passer un de ses savons. Tout ce temps sans venir voir ta famille. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tout ce temps sans venir voir ta famille. Ça a été dur pour ton père quand ta mère nous a quittés. Vous deux, vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'il peut ressentir. Tu peux arrêter de prendre sa défense pour une fois? Je vais plutôt aller écouter Arabesque, tiens. Bon retour chez toi, Mati. Je l'adorais avant. Elle avait le permis moto, elle faisait du karaté. Maintenant, soit elle trouve plus son pantalon, soit elle oublie comment ça se met. Matthew, est-ce que... C'était mon frère. Il a eu un accident de voiture. Ah, c'est triste, et j'ai la même voix que lui. Et j'ai la même voix que lui, c'est ça? Il parlait doucement, comme toi. Les gens croyaient souvent qu'il avait rien à dire, mais... En fait, il préférait juste se taire. Moi aussi, j'ai perdu mon frère. C'était il y a pas longtemps. Oui, c'était il y a 2 jours. Il s'est fait tirer dessus. Merde. C'est horrible. Je sais. Dis, ça te dérange si je révise un peu? J'ai des examens la semaine prochaine et j'ai pas ouvert un bouquin de tout le semestre. Je peux faire la vaisselle? Ouais, alors... Je t'en prie. Si t'as ton examen la semaine prochaine et que t'as pas ouvert tes cours de tout le semestre, bon... Tu sais, t'as caché que ça va être un peu chaud. Ça sert à quoi de pouvoir citer 3 façons dont Andrew Jackson a changé le rôle du président des États-Unis? Je sais pas trop. Si c'est dans l'examen, je passerai la question. Et donc, vous étiez proches? Hein? Toi et ton frère? Il veillait sur moi. Ça dépendait. Il me tyrannisait. Je sais pas trop. Il était pas très sympa. Il arrêtait pas de me rabaisser. C'était rien à côté de pas les jours de cuite. Mais il était pas facile à vivre. Ton père, il est alcoolique, c'est ça? Il l'était, oui. Maintenant, il s'accroche à la vie dans un hôpital pour anciens combattants. Eh ben, t'es aussi gâté que moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Un accident domestique. Il s'est pendu. Ah oui, direct. On peut révéler juste comme ça. Let's go. Il s'est pendu. Enfin, il a essayé. Je l'ai arrêté. Oh, c'est horrible. Je sais bien que c'est horrible, mais... Des fois, j'aimerais bien que mon père... meure, ou quelque chose du genre. Ah ouais. Arrête, tu le penses pas vraiment. Tu comprendrais si tu le connaissais. C'est un psychopathe. La famille, c'est parfois compliqué, tu peux pas t'en aller, il veut pas être si terrible. Ouais, tu mais sais, elle s'en va pas parce qu'il y a sa mamie. Moi aussi, je déteste ma famille, des fois. Quand c'est pas mon père qui est bourré, ou mes frères qui me cherchent, bah... Ils décident tous de se prendre la tête pour rien. Ouais, on se comprend. Enfin bref,
Désolée, c'est pas très joyeux. Hé, tu veux pas m'aider à réviser? Oh, je sais pas si je serais d'une grande aide. Mais si, t'inquiète. Ça marche toujours mieux quand on est plusieurs. Bon, ok. Le Minnesota? Non. Le Wyoming? Non plus. Oh, je laisse tomber. C'était l'Alaska. Plus d'un million d'hectares de parcs, tous protégés. Le seul endroit où il y en a plus, c'est le Canada. Fais-moi voir. Ok, à ton tour. Hein? Non, quel j'ai pas... Quel président a signé la loi de 1906 sur le patrimoine naturel, créé le Service national des forêts et établi 5 parcs nationaux, dont celui du Grand Canyon? Ça me laisse le choix, j'en sais rien, moi. Je crois que j'ai vu ça à la télé. J'en sais rien. Oh! Abraham. Ok, bon. Ne rien choisir. Ne rien choisir, c'est. Choix par défaut. Bonne réponse est. Teddy Roosevelt. Oh. Et c'est officiel, je vais me planter. Et alors? Pas besoin d'examen pour savoir que t'es intelligente et. Enfin bref. Tu vois. Waouh! C'est super gentil. Merde, il est rentré plus tôt. Marde. Dictée un ami du lycée. Attends, non, un camarade de classe. On a un devoir à faire pour... Coucou. Et oh, papa est rentré. J'ai pas vu de voiture dehors. Qui c'est? C'est Dean, du lycée. Bonjour, Dean du lycée. Bonjour, monsieur. Bien. Bon, ravi de voir que tu révises. Mais Dean, rappelle-moi, tu es dans quelle école déjà? Bridgeway, Broadway, Bridgeley, Broadwell. Broadwell, je crois, je l'ai vu. Broadwell. J'imagine que tu voulais dire Bridgeley, n'est-ce pas? On n'était pas du oui. tout. Voilà, c'est ça. Dean est nouveau à l'école. C'est pour ça qu'ils nous ont mis dans le même groupe pour les devoirs. C'est toi qui lui vends de la marijuana? Quoi? Je t'ai dit, j'ai arrêté de fumer. C'est à lui que je parle. Faut que j'y aille. T'en vas pas si vite. J'ai encore le droit de connaître les fréquentations de ma fille. Vous êtes flic? J'ai une agence de sécurité. Sa société protège des banques. Dans une ville où le dernier braquage doit remonter à un siècle. Ça suffit, Vanessa. Enfin, ça risque de changer. Tu as entendu parler du massacre dans le motel sur la route 66? Ah, oui, ils l'ont dit à la radio tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, silence. Eh ben, j'espère qu'ils vont les arrêter. Moi aussi. Ils ont lancé une chasse à l'homme. Dès que le FBI aura rendu public les portraits robots de ces Holt, ils seront placardés dans tout le pays. Jason, j'ai mal. Toi, tu restes là. Je suis vraiment désolée. Il faut vraiment que j'y aille. Non, ça va être encore pire. Vanessa, il est où le livre audio de mamie? Attends, elle a dû l'oublier aux toilettes. Quoi? Vanessa, il est où le livre audio de mamie? Elle a dû l'oublier aux toilettes. Alors déjà, mamie connaît les livres audio, c'est super. C'est super. Oh, purée. Je croyais t'avoir dit de ne pas bouger. Je vais faire un tour, je dois rentrer. Je n'ai pas mon père.
faut vraiment que je rentre chez moi. Je comprends. Tes parents doivent t'attendre. Papa, t'as regardé dans... Qu'est-ce qu'il y a? Ton petit camarade allait s'esquiver. Oh, t'allais même pas me dire au revoir. Bon, je peux pas te retenir de toute façon. Merci, monsieur. Ma mère va être... Un instant. C'est les affaires de mon fils. Je peux vous expliquer. On était nus. Je veux voir ce qui se passe. En fait, votre fille et moi, on était... comment dire, on était... pas très habillés. Hey. Je te demande pardon. Toi, tu déguerpis de chez moi en quatrième vitesse. Ou je vais faire une bêtise qu'on va regretter tous les deux. Oui, monsieur. Dégage. Ah ça, au moins, en sortant ça, il est sûr que son père voudra pas de lui sur les lieux. Par contre, elle est dans la marde. Deux mois plus tôt. Jay, t'es là? Lève-toi donc et viens mettre ces écureuils dans le cellier. Bah, je vais le faire moi-même. Bande de pétochards avec vos lettres de menace. Non, mais je vous jure, même pas foutu de venir me parler en face. Non. Je laissez pas vos 10 000 balles, moi. Alors si vous les voulez, allez vous faire foutre. Ah. Ok, bon. Je sais comment me sortir de la mouise. Je prends les 5 000 qui me restent, je les joue. Et je m'arrange pour gagner le pactole. Oh, dis salopard! Si tu parles de cet endroit, qui que ce soit, je viens chez toi et je t'écorche en vif, salopio! Donc il a... Il a vraiment tiré sur un gosse, là. Ok. Non mais tout va bien dans la vie de Daddy, hein. Oui, une route. Ouais, bon alors, toi... Oh purée. Oh mais c'est pas possible. Ah, c'est cassé, ça. Maman! Maman! Je suis désolée. Maman! J'aurais dû rentrer directement. Maman! Excellent séjour à vous et votre fils, Madame Walema. Il va avoir une sacrée surprise. C'est aujourd'hui. Oh, maman. Allez. Allez, ça va le faire. Oh, purée. Je me sens vraiment, vraiment pas bien. Ah.
conséquence. Alors. Ça veut dire que si c'est viandé sur cette escalade, l'histoire serait complètement différente. Au secours, au secours. Ça va être le shérif, ça? Ouais, c'est le shérif. J'avais envoyé la moitié de mes agents à ta recherche. Mais qu'ils l'auront l'air. T'en fais pas pour ça. Tu pourras lui dire toi-même. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui t'est arrivé, petit gars? Je cherchais la forteresse. Ash, de quoi tu parles au juste? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Parler de la cabane, ne pas parler de la cabane. Idéalement pour la famille Holt. Le shérif ne sait pas du tout où se trouve la cabane. Et on va quand même parler de la cabane. C'était... Il y avait une cabane. J'ai vu un homme. Un braconnier, je crois. Des braconniers et... Ce foutu braconnier. D'accord, Ash. T'en fais pas. On va se renseigner. Tout va bien. Ça va aller, petit. On va s'occuper de toi. Ash. Doucement. Là. Je te tiens. Je vais t'emmener à l'hôpital. Ça va aller, d'accord? Oh. Une feuille est sortie. C'est le rocher pointu avec la cabane. Et 2 mois plus tard, c'est qui arrive là, à la cabane? Et c'est Jay. Un miracle qu'on arrive à passer l'autoroute, alors la frontière, ouais. Ils vont tous surveiller. Ils sont là. T'as une meilleure idée? Moi, je sais. Oula. Jay! Oh, Seigneur. Je croyais que je t'avais perdu. Vous étiez où? Ça va, vous avez fait... Vous étiez où? Pourquoi vous m'avez abandonné? Vous étiez plus là quand je suis sorti de la voiture. J'ai cru que j'allais mourir. C'est à cause de cette saleté d'hélicoptère. On a voulu revenir, mais les flics étaient... Oh, c'est un miracle que tu aies survécu. Il s'est pris une balle, lui. Qu'est-ce qui t'a pris de débarquer comme ça? T'as pas été suivi, j'espère. Hein? Je sais comment camoufler mes traces. Mais quand même, ils t'ont abandonné, quoi. Vous avez un plan? T'as vraiment une famille de merde. Hein. J'ai un début de plan. Dante a noté un numéro de compte dans son petit carnet. Si c'est bien ce que je crois... On verra ça plus tard. D'abord, il faut qu'on arrive au Canada. Au Canada? Les flics vont surveiller la frontière sud. Donc on part au nord. Mais t'aimes pas le froid? T'en fais pas, Jay. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Pas vrai? Je crois pas, non. Je pouvais compter sur Dale. Mais toi... Des fois, j'ai des doutes. Je veillerai toujours sur notre famille. Quoi qu'il arrive. Je vais monter la garde. Allez vous reposer. Jaja, oui. On a une longue journée qui nous attend. Je pensais que t'allais dormir plus longtemps. Je préparais la moto. Tu peux m'expliquer cette histoire de Canada? Oublie le Canada. C'est au Texas qu'on va. Hein? Je connais un type à Eagle Pass. Il nous fera traverser le Rio Grande. Mais pourquoi t'as parlé du Nord à Jay alors? Parce qu'il vient pas avec nous. Demain matin, je l'envoie à Canada. Ah bon? Je lui dis que c'est notre éclaireur. Tant qu'il revienne,
On sera déjà loin. T'es gonflé. Je vais quand même pas lui faire ça. On a déjà perdu Dale, ça t'a pas suffi? Hé hey, tu crois que ça me fait plaisir tout ça, peut-être? Tu crois que ça m'amuse? Ah, on sait tous les deux que t'as toujours eu du mal avec Jay. Et pourtant, j'ai quand même veillé sur lui, non? J'ai toujours tout fait pour cette famille. Je me tue au travail depuis que j'ai 14 ans. Je te protège de pas. Depuis que je suis assez grand pour rendre les coups. Et dans tout ça, moi, j'ai jamais eu de vie. J'étais trop occupé à me démener pour vous tous. Ça fait 25 ans que ça dure. Que je dois tout encaisser sans broncher, sans jamais rien dire. Parce que je suis l'aîné, le fils responsable. J'en ai ma claque, moi. Je veux pas couler avec le navire, moi. Il y a deux places sur la moto, pas trois. Alors cette fois, tant pis pour Jay. Ah ouais. Ah ouais. Tu fais quoi? Je m'en vais. Oh, ça suffit. Vous avez qu'à partir, et moi je reste ici. Tu pourras jamais survivre toute seule dans les bois. Mais Jesse, il est dans son élément ici. Je m'en fiche. Je suis prête à mourir s'il le faut. Pas question. On va tous s'en sortir. Parce que Jay va faire le bon choix et rester là. On va tous s'en sortir. Parce que Jay va se sacrifier. T'as qu'à rester, toi. Bah oui. Bah vas-y, toi. Je veux pas me retrouver seul. N'importe quoi. T'adores être seul. Tu t'arranges toujours pour t'esquiver depuis que tu sais marcher. Et puis... tu nous dois bien ça. T'es sérieux? Un peu, ouais. C'est toi qui l'as volé, ce foutu carnet. Je savais pas. Justement, c'est ça le problème. T'es toujours dans ton monde. Pat t'a toujours traité comme un enfant prodige. Mais tu veux savoir la vérité? T'as jamais rien su faire d'autre que rêvasser depuis le jour où on t'a recueilli, Jay. Quoi? Je vais te dire, ta vraie mère, elle aurait vraiment mieux fait Tyler de... Je vais te dire, moi, t'as été adopté. A été adopté, mais ça suffit. Ça veut dire quoi ça? Ma vraie mère ment. Et allez. De quoi il parle? Tu es de mon sang et je t'ai élevé comme mon fils. Ça fait de moi ta mère. Le reste n'a aucune importance. C'est important pour moi. Oui, ça n'a pas d'importance. T'as raison. Vous êtes ma seule famille. Ta famille? Tu parles, on était babysitter. Ça va, on a eu le choix là-dessus. Ah. C'est un tout autre débat aussi, ça. De... bébé adopté, là. Ça aurait dû être toi à la place de Dale. Chut, écoutez. C'est qui ça? Ah, ça c'est le shérif ça. Non, je te jure. Officier à terre! Officier à terre! Vous feriez mieux de vous rendre. J'aimerais vous ramener en vie. Vous pensiez sans doute être à l'abri ici, loin de tout. Mais un gamin nous a signalé cet endroit il y a quelques mois. Alors soyez bon perdant et lâchez vos armes, d'accord? Je peux pas faire ça, mort. Je veux pas aller en prison. Moi non plus. Aider la famille, les abandonner. On va jouer RP. Aider la famille. Allez, on y va. Espèce de... Ah oui. Ah, oh, je les ai tellement abandonnés.
Oui, le choix logique à faire ça aurait été de... d'abandonner cette famille. Malgré tout, Jay étant Jay. Oh non. Soyez raisonnable. Vous n'avez aucune chance. Sortez bien gentiment, d'accord? Et le vide sanitaire? On pourrait passer sous la terrasse. Peut-être qu'ils nous verront pas. Je le sens pas, maman. Se rendre, tenter de fuir. Ouais, vas-y. Allez, faut qu'on essaie. Je vais te couvrir. Est-ce qu'il va encore y avoir une araignée? Oh bon, allez. Tyler KO. Ah, il est pas KO là. Elle est où l'araignée? L'araignée, elle est montée sur son dos. Il va falloir courir. Là-bas. On va y avoir du QTE. Hey, quoi? Tu l'as joué? Viens! Attention! Va-t'en! Reste pas là! Va sur la moto! Ok. Maman a fui. Je peux pas trop lâcher la souris là. Va voir là-bas. Tiens, il y avait un truc. Je suis pas là. Je suis pas là. Je suis pas là. Il est pas là. On va voir en bas. Les mains en l'air, d'accord? Et oh. M'oblige pas à te faire du mal. S'il vous plaît. C'est pas la peine de tirer. Maman va revenir ou pas? Tu es en état d'arrestation pour... Merde. Je sais même plus combien de prix. T'es en état d'arrestation pour... Merde, on se souvient plus. Oh, y en a trop. Y'en a trop. Si tu résistes, je serai obligé de recourir à la force létale. Bon. Tu vas te coucher bien gentiment. Les mains au-dessus de la tête. Avise-toi de faire geste brusque et... Il voit. Je vais sur le policier se rendre. Si on se rend, il n'y aura plus d'histoire avec Jay. La somme est pas pire. Pas envie de tirer sur le policier. On va se rendre. C'est bien. Pas de geste brusque. Tu as le droit de garder le silence. Tout ce que tu diras pourra être retenu contre toi. Tu as le droit de parler à un avocat avant de répondre à nos questions.
Si t'as pas les moyens, un avocat peut être fourni gratuitement. Si tu décides de répondre aux questions sans avocat, tu as le droit de tenter de répondre à ton mari. Ok. Alors, liberté. Privilégier la liberté et l'indépendance. Privilégier la liberté et l'indépendance. Je me rends. Très sincère, cherche à nouer des liens authentiques avec les autres. Termine les actions rapides à réaliser. C'est peut-être... Ah, ça va, ça va. On a juste eu un raté sur les QTE, donc... Mais on a quand même cette notation-là. Bon réflexe. Hein? Ah. Alors. C'est quoi les résultats du chapitre là? Pareil, on va commencer par. On va commencer par. La timeline du bas. La timeline parallèle. H, le Desert Dream Motel, 2 mois plus tôt. La forteresse de la coulitude à explorer la forêt, à manger la barre chocolatée, dernier avec un sanglier. Ah, c'est 50-50 ici, ok. À échapper indemne au sanglier. On va juste venir d'analyser ça, à découvrir la forteresse. À soigner ses blessures, ok. Parce que 5% n'ont pas réussi à trouver le pansement ? Quoi ? Ok. Ah ouais, débile. Ah oui, quand même. Les 5%, ils ont versé le sirop tout sur la flûte. Le sirop pour la toux. Caché dans la cabane, oui. Ber est entré, s'est enfui de la cabane. Ok. S'est cassé la jambe dans le fossé, s'est extirpé du fossé. Ok, bon. On a eu un parcours assez classique, assez commun, ouais, du coup, ouais. Sur... A parler de la cabane à Dante. Ah, par contre, seulement 33% ont balancé la cabane. Ok. Pas parce que les gens n'aiment pas Dante. Ensuite, fuir les ombres, oui. 38% ont fui le motel avec Zoé. À libérer Zoé. 14% seulement ont libéré Zoé. Ouais. Ok. Après, j'avoue, ça, c'est un choix que j'ai fait entièrement par curiosité, parce que... Ouais. Laissé pour mort dans la carcasse. Ok. Sorti de la voiture accidentée. 74%, oui. C'est réveillé. Alors... C'est fait passer pour Mati. Ok, 35%. 35% ont eu l'idée de poursuivre dans la folie de Mémé. 109% a dit la vérité sur Ber à Vanessa. A aidé Vanessa à réviser. Est trompé sur la question d'histoire. Oui, bah ouais. Ça change. Papa est rentré. Papa se doute de quelque chose. Ah, par contre, 24% attrapé par Monsieur Dorland. A convaincu Monsieur Dorland. A rejoint sa famille. J'ai été adopté. N'a pas parlé de sa... Ah. Ok, bon, 78%... ouais. Classique, 78%. J'ai été adopté. Ah bon? Mais c'est qui ma vraie maman? C'est qui mon vrai papa? T'es pas ma mère. Tu m'as élevé pendant 16 ans, mais t'es pas ma mère. Oh. C'est jeté sur Tyler. Combat gagné. 3% perdu contre Tyler, ok. 22%. Et rester se battre. 10% sont restés se battre, ok. 10% ont tiré sur la police. 7% ont fui la cabane avec Sharon.
7%. Tyler est mort. Ok. Oula, par contre, à partir de là, jusque-là, la run est assez commune. Mais à partir de là, on part dans les cas les plus rares possibles. Oui. Tyler tué par la police. La run s'est enfuie. Traqué par la police, 30%. Ok. 28% rattrapé par un policier. S'est rendu à la police dans les bois, 15%. A été arrêté, 20%. Ok. Ok, donc en gros, là, c'est... N'a pas été arrêté, a été arrêté. D'accord. Eh ben, c'est intéressant, tout ça. Je vais juste passer à la suite, histoire de lancer la sauvegarde. Et on va s'arrêter là. Il est l'heure. Il est l'heure, il est ni trop tôt, ni trop tard, il est l'heure. Hein ? Mmh. Ok. Il est l'heure, donc. Deux chapitres, comme ce que j'avais un peu en tête de ce soir. Deux chapitres qu'on a fait, comme la dernière fois. Et c'est très bien comme ça. Pourquoi il y a un câble qui pend, là ? Ah, c'est le câble du bureau. Ouais, va falloir que je l'attache, lui. Ok, en tout cas. On s'est raté là-dessus. Deux chapitres, c'est très bien. Il y en a eu des rebondissements. Il y a eu un peu moins de rebondissements que la dernière fois, par contre. Il y a eu un peu moins de rebondissements, mais... C'était pas plus mal. Alors... Oui. On va se préparer à se quitter. Hop. C'est bon. Et ben voilà. Voilà pour cette semaine. Voilà pour ce week-end. Voilà pour ce soir. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine. Ça sera mardi. Quoi qu'il en soit. Ça sera mardi pour retour sur du FF14. Parce que c'est déjà les recueillir. Ça revient déjà. Il y a déjà les reset. Et puis le reste de la semaine à partir de là. On verra bien à quoi ça ressemble. Je vais essayer de poster au moins un petit planning, mais à voir, à voir. Déjà que cette semaine, le planning a été ghosté. Essayez de ne pas la refaire. Donc, on verra. Sur ce, je vous dis des bisous de beaux rêves, la bonne nuit, bon début de semaine.